monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve mercredi sur YouTube pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. En ce moment, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander de faire davantage de contenu sur YouTube et je me suis dit que j'allais m'exécuter en vous proposant le mercredi comme aujourd'hui, ponctuellement, une petite vidéo courte de 5 à 8 minutes avec plein de thèmes divers et variés. Je vais vous faire des try and haul, des crash tests de plein de produits différents. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça, ça me donnera des petites idées, tout simplement. Donc j'espère que cette nouvelle série vous plaît. Je ne vous promets pas d'être là tous les mercredis, mais en tout cas, je vais faire de mon mieux pour être là le plus souvent possible. Et aujourd'hui, on commence cette série, comme vous l'aurez compris, avec une vidéo en partenariat avec Gymshark pour un try and haul avec mon très bon accent franglais. Je suis vraiment trop contente et en ce moment, vous avez moins 50% de réduction sur toute une sélection de vêtements sur leur site internet et cette offre est exclusive à la France, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'allais dire en swipe up, mais non, nous ne sommes pas sur Instagram. Je vous mets les liens en barre d'infos et on passe tout de suite aux essayages. Première tenue, on part sur un legging un petit peu gris blanc que j'aime beaucoup. Je l'ai associé avec ce petit haut. Vous avez juste ici la place d'insérer vos petits pouces pour garder les mains au chaud. Et je l'ai associé avec une petite brassière assortie au legging. Tout simplement, je le trouve vraiment très très joli. Ça fait partie d'un de mes ensembles favoris sur Gymshark. Vous savez que je m'habille quand Gymshark, quand je fais mes entraînements. Ce sont vraiment mes leggings préférés. Et cette gamme-là en particulier, je l'aime vraiment beaucoup. Deuxième tenue, cette fois-ci un petit peu plus confort avec ce jogging. Attention, il taille assez grand étant donné que j'ai pris la plus petite des tailles et vous voyez qu'il m'est quand même assez oversize. Donc ça, après, c'est selon les goûts de chacun. J'avoue que je l'ai déjà porté un petit peu chez moi chill et il est hyper confortable, je l'adore. Et avec, j'ai cette petite brassière qui est sans armature, donc vraiment hyper confortable à porter chill à la maison. Troisième tenue, on part sur quelque chose d'un petit peu plus classique, noir et kaki. Je m'habille quasiment exclusivement en noir quand je fais mes entraînements, tout simplement parce que c'est une couleur qui affine et en plus de ça, quand on transpire, ça ne se voit pas. Donc du coup, j'ai ce petit legging avec écrit Gymshark à l'arrière en gros que j'ai associé avec ce petit t-shirt crop top hyper mignon. Et pour aller avec, bien entendu, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai une brassière assortie couleur noire, assez décolletée celle-ci, avec un dos hyper canon. Par contre, attention sur cette brassière, le maintien n'est pas optimal. Pour moi, ça va vu que j'ai une petite poitrine, mais si jamais vous avez une poitrine plus volumineuse que la mienne, peut-être que le maintien ne sera pas suffisant. J'avais aussi envie de tester un petit maillot de bain sur le site Gymshark. Je me suis dit qu'en été, avec un petit short taille haute, ça pouvait aussi faire office de crop top. Et bon, le seul souci, c'est que pour moi, il m'est un peu ample à ce niveau-là. Je sais pas si vous pourrez voir. Et au niveau de la poitrine, ici, ça baille sur le côté. Mais sinon, je le trouve vraiment trop canon. Il est magnifique, ce maillot. Cette fois-ci, on part avec un ensemble rouge. J'aime énormément ce legging. Je l'ai déjà en noir et gris au fond. Et je l'ai d'ailleurs commandé pour ma soeur pour Noël parce que c'est un de mes favoris. Il maintient extrêmement bien. La matière est épaisse. Franchement, il n'y a rien à dire. On est hyper confortable dedans. Mais par contre, je suis un petit peu déçue de la brassière. Je ne sais pas si vous pourrez voir, mais en fait, elle m'aplatit énormément la poitrine. Et à ce niveau-là, ça baille. Donc personnellement, pour cette brassière, je ne valide pas parce qu'elle ne me va pas. Mais par contre, elle a l'air de maintenir hyper bien et avec l'ensemble legging plus brassière, ça fait juste hyper joli. Ma deuxième couleur préférée pour m'entraîner, c'est le kaki. Donc ce legging, c'est exactement le même que je vous ai montré tout à l'heure en noir, mais cette fois-ci en kaki. Donc il y a bien l'écriture juste derrière. Et pour la brassière, c'est celle qui va avec, tout simplement. Rien de bien original, mais moi j'adore les ensembles tout simples comme ça. Et pour cette dernière tenue, sans surprise, on repart sur du noir. Donc en premier, j'ai ce petit sweat crop top qui est hyper chaud. Il y paraît pas, mais je viens de le mettre et je meurs de chaud. Hyper agréable à porter, franchement j'adore. Et bien entendu, la brassière qui va avec le legging pour faire un ensemble comme je les aime. Donc celle-ci maintient extrêmement bien et elle fait une très jolie poitrine. Et de dos, elle se présente comme ceci. Et pour aller avec, bien entendu,
attendu ces leggings camo mais couleur noire et gris. Ça fait plusieurs mois que je bave dessus, même peut-être plusieurs années, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais je voulais me le procurer, il y avait jamais ma taille, il était toujours out of stock, et là j'ai réussi, je le trouve vraiment hyper beau, toujours pareil, matière épaisse, très agréable à porter, et en plus de ça, derrière il a juste ici une petite couture qui met en valeur votre popotin, donc tout ce qu'on aime. Et c'est déjà tout pour cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, les petits liens sont en barre d'infos si jamais vous en avez besoin. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite, à dimanche, dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.